Et coucou tout le monde! C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Bienvenue dans un nouveau vlog. Oh là là, je sais plus avec quoi je vous ouvre d'habitude, avec ces rideaux moches ou ce cadre moche. Je sais plus, je crois que hier, avant-hier pour vous. Oui, dans le vlog précédent. Je crois que je vous ai conclu avec ce cadre moche alors que d'habitude c'était les rideaux moches. J'ai foiré. Ouais, bah écoutez, bienvenue dans un nouveau vlog, dernier vlog en Floride, dernières heures en Floride, parce qu'après ce sera New York et Nice. Oh là là, je vous jure, c'est trop dur de se lever à 5h du matin. Je pense que c'est psychologique, parce qu'en vrai, on s'est couché tôt, donc on a assez dormi. Vous avez le focus sur les rideaux, moi, je sais pas sur moi. Bah, c'est mieux. Bah écoutez, hier, on a fini à Universal Studios. Un petit peu tranquille, hein, je vous avais pas filmé, je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on allait finir la valise, et donc on a fait deux attractions qu'on n'avait pas faites, donc c'est Transformers. Je vous mets quelques images ici, on pouvait pas filmer dans l'attraction, mais un petit peu de la queue. That is his tale on the exam table. The rest of putting them on. And, of course, no eating, drinking, smoking, or photography of any kind. Hold on to a lap restraint at all times, and... C'était franchement sympathique, un peu violent. On était dans un wagon et puis on était trimballé à droite à gauche avec des lunettes 4D, avec des transformers genre qui pétaient l'écran et qui nous bousculaient pour de faux, quoi, vous voyez. Bam bam bam, c'était assez sympa finalement. Parce que je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit qu'on l'avait fait à Los Angeles, mais pas du tout, c'était King Kong et Fast and Furious, c'était pas du tout. Pour moi, tout se ressemble, mais c'est pas du tout les mêmes licences. Et on a fait aussi Jimmy Fallon, je sais plus, Race Through New York with Jimmy Fallon. Donc je vous mets aussi des images. Pareil, j'ai pas pu filmer dedans, mais c'est un présentateur très connu aux États-Unis, Jimmy Fallon. Donc c'était sympa, franchement, c'était un grand écran, il y avait plein de sièges. Et puis on était un peu comme trimballé avec lui à New York, dans une voiture à droite à gauche. Franchement, c'était assez sympa. Et sinon, bah écoutez, let's go, là, c'est on va boucler les valises, il nous reste genre les brosses à dents, les conneries comme ça. Et puis let's go, hein, je vous embarque pour la journée, donc on va à l'aéroport d'Orlando, ensuite on fait Orlando-New York, New York-Nice. On n'a jamais fait ça, d'habitude on passe toujours par Londres, ce qui nous fracasse parce qu'on a le décalage horaire, on doit attendre des heures à l'aéroport et tout. Là ça va parce qu'on vole à New York 2h30, tranquille, et après bam, direct à Nice. Je trouve que ça peut être pas mal, niveau estomac, niveau tête et tout, ça va être pas trop mal. Donc de toute façon on vous prend, je vais aller réveiller Mitch et puis let's go, hein. On va prendre un petit Uber et puis aller à l'aéroport. Faut dire au revoir à ce magnifique appartement. C'était un peu comme un appartement plutôt qu'une chambre. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on n'a pas eu à acheter de valise. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Bon, ici c'est encore en cours. Mais on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Allez, let's go. En direct, une Michelle sauvage qui a trouvé ce chariot. Et bagages. Regardez la lune comme elle est magnifique. Et ça y est, on s'en va. Hein. Regardez là. Il y a des gens qui font du sport. Je vous jure. Moi je mange plutôt que courir sur un tapis. Allez, on va faire le check-out et c'est parti. On a déposé les bagages, regardez le fameux hall avec le tapis moche et le drapeau.
Et il y a un petit magasin Disney, un petit magasin Harry Potter au cas où vous n'avez pas tout dépensé. Et là on va aller à la sécurité. Souhaitez-nous bonne chance parce qu'on a pas mal de liquide et de produits électroniques. On a passé la sécurité, il nous a fallu genre trois quarts d'heure pour prendre Starbucks, mais on l'a, la base, ça va vite. Et qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? Un croissant et un muffin au blueberry. Comment on dit blueberry? Merci, Pomic. Vous voyez ma tête, tout le monde a la même tête là-bas. J'espère que tu zoomes pas. Zoom pas. T'es belle. Allez, c'est parti. Regardez, il faut quand même que je m'en aille pour qu'ils écrivent bien mon prénom. Et ils nous ont chauffé ça, c'est bizarre. Bon, le croissant à la limite, mais ça c'est chelou, c'est chaud. Étrange, mais au moins je m'appelle vraiment Marie. Regardez-moi cet amour, et là vous la voyez avec les deux sacs à dos et les deux valises. Elle dit allez, on y va, elle a tout pris parce que j'ai super mal au dos. Franchement, j'ai choisi mon jour pour avoir mal au dos. J'ai des problèmes de dos, et là je suis un peu genre presque les pleurs, quoi. Vous voyez, donc regardez là, elle est déterre quand même. Regardez, j'adore. Je te fais des compliments. Regardez comment il est trop chou. Il a une petite couche. J'adore. Oh, il est adorable. Je meurs. Oh, chelou. Oh. Oh. Oh, ça gratte. We are all set up here to flight deck. Ground crew is also ready. We will be pushing back shortly. One's airborne, 2 hours. Because of Delta, it's not just the destination. It's the journey that makes the difference. Coucou nos valises, elles sont là, regardez, elles sont avec celles de côté pour les transits. Violette et bleue, on peut pas les louper. On voit la délicatesse. Oulala, cette belle coiffure, regardez. New York. Alors on est bien arrivé, j'ai bien un petit pansement pour mon tatouage. On est bien arrivé, on a beaucoup d'heures d'escale, on a genre 5-6 heures d'escale. On a quand même pas le temps d'aller dans New York même parce que c'est trop loin et en fait le temps d'y aller, il faudrait revenir, quoi, vous voyez, genre pour passer une demi-heure. Donc on va rester ici, on va se chercher à manger. Normalement, si tout va bien, j'ai repéré un Shake Shack. Shake Shack, vous savez, ma passion, Shake Shack, les meilleurs burgers du monde. Donc on va aller manger là puis faire un tour dans le terminal pendant 6 heures. Mais sinon le vol s'est bien passé, franchement, tranquille, ouais. Tranquille, on a fait un peu dodo, un peu regarder les écrans parce que c'était inclus bizarrement avec la wifi, genre on était trop choqués. C'est vraiment une bonne compagnie Delta, donc je suis contente. Donc let's go. C'était une aventure pour prendre Shake Shack. Mais franchement, de la moitié. Et Michel après elle va prendre une pizza, elle préfère. Ou un sandwich, je sais pas. Il y a le burger. Oh oh, la vie. Par contre, j'ai pas fait de sel. Et voilà le Shake Shack. Regardez le monde qu'il y a. Oh, oh, oh. C'est une organisation. Vu que c'est un tout petit Shake Shack, c'est très compliqué. Moi, j'avais pas grand monde devant moi. J'ai attendu, genre, franchement, 20 minutes. Bon, ça va. On les a les 20 minutes, mais. Et là, où est parti Michel? Je ne sais pas.
Oh, elle est partie. Ah, elle est partie là-bas. Elle veut sa pizza. On va manger sa pizza. Elle a dit on est à New York, il faut manger une pizza. Ce qui n'est pas faux. Puis elle est pas très fan de Shake Shack, même si je comprends pas. Je comprends pas. Ah, maintenant elle hésite pour un sandwich. Quel sera son choix? Le suspense est à son comble. La réponse dans une seconde pour vous. Le choix se porte sur la pizza. La pizza pour Mishmish. Oui. Et je lui ai envolé un bout quand même. Oui. Voilà les fameuses pizzas new-yorkaises. C'est à la part ici. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de gras. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je voulais vous montrer ici. Vous avez donc beaucoup de chiens qui accompagnent dans les avions. Et vous avez, regardez, il faut qu'ils fassent pipi. Et vous avez aussi ça gratuit pour remplir les bouteilles d'eau. Et là, on va faire un petit tour à cette boutique. Ouh, regardez cette bonne boutique là de touristes. Oh, NYPD, please. Ça doit coûter un bras ça. Oh, ça va encore. 20 balles le t-shirt. Enfin, quand on a connu 40 ou 50 balles le t-shirt à Disney, ça va. Regardez, plein de trucs de New York. Ouh là là. C'est comme si on était allé dans la ville sans y être allé. Magnifique. Plein de t-shirts, de pulls. Ouh là là, les magnifiques sacs. Ils sont beaux. Hein. Ouh là là, les belles casquettes. Ouh, c'est des casquettes officielles quand même. Putain, ils déconnent pas. Hein. Regardez, vous devez les reconnaître. Ouh. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des trucs pour les enfants. Il y a quand même un peu de Disney qui est resté là. Vous avez des sacs. Après, bon, vous avez plein de livres, de boissons, de snacks, bonbons, tout ça. Oh non, il est trop beau. Elle est trop belle la peluche, regardez. Oh, je meurs. Oh là là. J'en ai déjà trop acheté, je peux pas l'acheter, mais elle est trop trop belle. Oh non, pour le chien. Oh, I love New York et tout, JPP. Oh, c'est trop beau. Regardez ici, c'est tout. Tout est fait avec les ordinateurs. En fait, il n'y a pas d'employés. Et il y en a de plus en plus, on a remarqué dans certains magasins, beaucoup d'ordinateurs et employés mélangés. Et là, c'est tout ordinateur. Tout automatique. Ah ben la dame n'arrive pas à rentrer. La modernité a ses limites. On est d'accord. C'est tout manuel en fait. Vous commandez, vous emballez, vous payez. C'est ouf. Regardez comme il est beau lui. C'est pour le c'est quoi, c'est le whisky? Ouais. Il en fait en mode États-Unis. J'adore. Il y a pas mal de petits magasins, de petits restos. Franchement, il y a de quoi passer quelques heures. Bon, en même temps, c'est New York, donc bon, quand même, c'est normal. C'est un gros aéroport. Mais juste dans notre terminal, pas mal de choses. Regardez ici, c'est en mode Mexique, c'est trop mignon. Et j'ai même vu, ils font des petits coins pour faire des selfies et tout. C'est vraiment moderne. Oups, 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 regardez, voyez à travers. Ouh, c'est magnifique, hein. Mexico. Oh, il y a un autre Shake Shack. Oh là 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 là. Ah ouais, il est plus beau, lui. Oh, il y a un autre Shake Shack là-bas. Vous dire à quel point ils aiment Shake Shack. Vous voyez? Shake Shack. Ici. Ça, il y a des distributeurs à tout ici, genre au maquillage, à tout. Mais il y a ça, des distributeurs pour faire un ours. Genre, c'est super connu cette marque. Déjà en Angleterre et aux États-Unis. Donc, vous pouvez créer votre ourson, genre dans un distributeur. Mais c'est délire! Et là, vous avez distributeur pour les sticks à lèvres et tout. Mais je meurs quoi. Je meurs. Bon, après, c'est tous les trucs électroniques, mais. Pff, c'est la fiesta New York, hein, regardez ça. Oh, bon, bon, il y a même des petits ballons et tout partout là. Tic, 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 tic. Regardez ce qu'elle m'a acheté, Mitch. On l'a vu tout à l'heure et j'ai dit non, je le prends pas, c'est quand même assez cher comme magazine. Et elle est partie l'acheter. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'ai ma belle-mère qui est méga méga fan de Céline Dion, mais bon, vu qu'elle lit pas l'anglais, mais je lui prêterai quand même pour les photos. J'adore.
Voilà notre magnifique avion Delta. Il est beau, hein? Oh là là! Regardez, on embarque. Donc c'est Delta, mais en fait c'est Air France et c'est Virgin Atlantic, c'est toutes les mêmes compagnies quoi. Enfin c'est pas les mêmes compagnies, mais ils travaillent tous ensemble. Parce que nous on a réservé sur Air France, mais on finit avec Delta. Pourquoi pas, hein? C'est une bonne compagnie. Vous pouvez cependant la liste des appareils électroniques que vous pouvez utiliser pendant l'appareil des vols dans le magazine Sirius situé dans la poche de votre siège. Notre temps de vol pour Nice ce soir sera de... Alors regardez, on a eu des écouteurs, hop, et un petit masque pour les yeux, genre pour dormir, c'est trop fort je trouve. Attendez. Vous voyez, bon c'est noir, c'est basique. Attendez. C'est beautiful ça, hein. Franchement c'est gentil. Ils nous en ont cassé une en fait, une petite qu'on avait à New York. Donc on s'est dit bon, on va voir là, il y a une petite femme service client Delta et elle nous a offerte celle-là. Franchement, regardez comme elle est belle, magnifique, hein, résistante. Bon, c'est une grande, donc mon père, je sais pas comment ça va rentrer dans la voiture. Mais on est arrivé avec 1h10 d'avance, donc magnifique. Elle est belle, magnifique, comme toi. Elle est assortie à toi, noir. Et regardez qui en a retrouvé. Oui, les trois bébés, et oui, qui étaient chez mon père. Hein, les petits gros. Ah, ça sent la valise, ça sent la valise. Ouais, on leur a acheté des petits jouets. Et oui, les petits gros. Waouh, une tête de après 24 heures de voyage, je crois, je sais même pas. Oui, 2h30, puis 6 heures d'attente, puis 8 heures de vol, les 2 heures d'avant. Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures, je vous laisse compter tout ça. Après beaucoup d'heures de voyage, me voilà. Faire la conclusion, à la maison, avec les petits bébés, avec Mitch. On est complètement décalqué, je vous jure. On est arrivé donc à 7h30 du matin, quelque chose comme ça. Dans la tête, c'était genre 1h30, 2h du mat. Pas possible. On est décalqué, mais franchement, ça va, on tient bien. On sait pas trop comment, mais je pense qu'on va faire une petite sieste. Mais il faut qu'on essaye de pas dormir beaucoup pour dormir ce soir et se mettre dans le mood, vous voyez. Pas possible, ma tête. Je suis désolée, pas possible. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu et que tous ces vlogs vous ont plu. C'était un plaisir de les tourner. J'espère vous avoir aidé si vous organisez le voyage. J'espère vous avoir diverti si vous m'aimez. J'espère vous avoir, je sais pas, émerveillé si voilà, vous avez pas la chance de pouvoir y aller. Enfin voilà. En tout cas, merci d'avoir tout fait, tout suivi, tout ça, les petits likes, les petits commentaires, les sur Insta, vous êtes la team les meilleurs. Franchement, j'ai eu beaucoup de remerciements pour les stories et tout, et du buzz, genre ouh, au taquet, des vlogs à venir, donc merci beaucoup. Et donc Michel se lave, donc je vous dis merci à sa place, et ce fut un plaisir pour elle aussi. Et à bientôt pour de prochaines aventures.
Je dis ça, je dis rien. Bye.